Venise, c'est toutes sortes de gris. C'est ce temps un petit peu brumeux, gris, bleuté, mais très léger, gris argenté. Pour moi, Venise, c'est ça, surtout. Il vetro muranese è famoso perché abbiamo 1000 anni di storia. Una volta qua c'erano 75 persone che lavoravano. E effettivamente Murano è conosciuto in tutto il mondo perché gli antichi veneziani volevano imitare le pietre preziose che sono in natura. J'aime beaucoup me promener au bord de la mer. Je suis ilienne, je suis corse, donc mes racines sont la Corse, la montagne dans l'eau. C'est pour ça que tout mon travail tourne autour de la montagne dans l'eau. Et j'aime beaucoup les rythmes des vagues, le bruit des vagues. On entend même le bruit des vagues peut-être dans certaines de mes toiles, par le mouvement et la rapidité d'exécution. Mais ici, c'est étonnant parce que ce n'est plus la mer telle que je la connais en Corse. Là, c'est très, regardez, c'est tout laiteux. Il n'y a plus d'horizon. Pour moi, c'est une source d'inspiration infinie, cette mer. J'aime travailler la mer, j'aime travailler ses éléments, puisque ce sont les rythmes de la nature que j'essaye de rendre dans mon travail. Mais en même temps, c'est une sorte de thérapie pour moi. Parce que ça m'apaise quand je travaille tous ces mouvements de la nature, ces rythmes. Il y a une résonance en moi qui m'apaise, me calme et me font rentrer dans une certaine intériorité, grande intériorité d'ailleurs. Cet élément liquide, ça a été un grand sujet d'inspiration pour tous les artistes. Non seulement impressionnistes, mais modernes, hein, contemporains. Je crois que c'est quelque chose d'intemporel, tout ce qui nous entoure. C'est très beau ici. Je trouve que c'est un moment de grâce. Vous ne trouvez pas? Le temps suspendu. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé peindre, mais j'ai un long parcours avant d'arriver à trouver ma propre écriture. Et donc, je suis une autodidacte. J'ai enseigné et j'ai appris aux enseignants à enseigner les arts plastiques.
Je ne sais pas comment définir mon travail, mais moi j'y verrais plutôt une spontanéité, une liberté gestuelle, une rigueur en même temps et beaucoup d'enthousiasme. Je suis en train de travailler pour un projet de forme avec les maîtres verriers de Mourane. J'ai envie de faire des galets, une forme de galets. La mer m'inspire beaucoup, mais des galets transparents, comme des grosses perles de rosée, des grosses gouttes d'eau qui viendraient se poser comme ça. Et j'essaye de trouver la transparence. Je voudrais la transparence et à l'intérieur de cette transparence, des formes qui évoqueront un univers de légèreté, de transparence. Voilà, j'essaye de faire ça. Ce qui est intéressant dans le travail comme ça, c'est donner à l'éphémère un instant d'éternité. C'est la première fois que je travaille comme ça, que je travaille en trois dimensions, en volume. Mais j'espère qu'il va y avoir un lien entre mon travail de peintre et ce travail en volume avec les maîtres verriers. Là, je dessine pour ces fameux galets. Et parce que ce sont des volumes, sinon je ne fais jamais aucun travail préparatoire avant, jamais aucun croquis. J'ai une idée de composition, une idée de couleur, et après je me lance sur la toile sans savoir ce qui va se passer exactement. La part de l'imprévisible, le côté fortuit. Et c'est ce que j'aime aussi dans le travail avec les maîtres verriers. C'est que je leur donne une proposition, mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Je trouve que l'image fortuite, l'image aléatoire, elle est plus proche de la réalité que l'image voulue. Alors j'ai une idée de départ, mais après je me laisse porter par le hasard. Le hasard, c'est le grand maître mot de tous les artistes d'ailleurs, modernes et contemporains. On se retrouve que dans l'acte de peindre. En fin de compte, c'est ma vie. Bonjour. Bonjour Hugues. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien et toi? Donc voilà des formes de galets que j'aimerais que nous fassions ensemble chez le maître verrier à Mourane. Et tu vois ces formes un peu rondes. Ouais, très jolies. La forme ronde pour moi, enfin, c'est un critique d'art qui l'a fait observer. C'est l'archétype le plus ancien de la représentation de la Terre chez les Chinois. Et ma grand-mère, qui était asiatique, portait toujours un bijou en jade, c'est rond là. Ce que nous avons décidé de faire chez Lux Company avec Monique Orsini, c'est de travailler sur des projets de sculpture en verre, fabriqués ici à Venise, à Murano, pour les présenter ensuite en Asie, à Taïwan, Singapour, Hong Kong. Je suis très excitée par ce projet et je vois qu'il aboutit et qu'il avance. Et de plus en plus, nous avançons dans la même direction. Ben, j'aime bien travailler avec les gens avec qui j'ai une certaine complicité. Pour être libre et honnête, il faut être en complicité, je pense. Tenez, regardez les couleurs là. Je voudrais
ces couleurs. C'est exactement toute cette gamme chromatique que j'aimerais avoir dans mon galet. Tranquille bien. Blue. Oui. Blue. Oui. Blue. Marine. Ok. Oui, obscur. Et j'aimerais ça aussi. Grigio. Grigio. Un mélange de toutes ces couleurs. Des coups de pinceau, comme la brosse, voilà. Alors, je vais vous montrer la forme que je voudrais. Imperfect. Ok. Cette couleur rouge-orange, elle va disparaître. Et après, les couleurs vont monter. Esperienza bella lavorare con un artista, anche perché sei innovativo, c'è una stimolazione da parte mia. E impari, è esperienza, perché ognuno non sai mai cosa in verità vuole l'artista. Io la mia cosa l'interpreto alla mia maniera, però non so entrare nel cervello dell'artista. Ce che j'aime bien dans les arts, c'est ce côté un peu fortuit et aléatoire des choses qui nous amène sur un autre chemin. C'est vraiment une immense part d'improvisation. C'est une matière que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas moi qui souffle le verre, c'est moi qui donne simplement des indications au maître verrier. Donc tout ça, c'est très nouveau pour moi. De toute façon, ça va m'enrichir quelque part, ça va m'apporter quelque chose. Ça va nourrir mon travail de peintre, mais avant tout, je suis peintre. Je trouve que les galets se sont transformés en planètes célestes. Il faut que les œuvres elles-mêmes mûrissent un peu. Elles vont voyager à travers l'Asie et puis il y aura une édition. Mais en fin de compte, ce seront des œuvres uniques puisque chacune va être soufflée. Donc elles vont être toutes originales. Il y a beaucoup de mouvement dans celle-ci. Elle est très belle.